Bienvenue dans cette émission exceptionnelle, une émission exceptionnelle pour un sujet exceptionnel aussi, la ville d'Aix-en-Provence et sa première responsable qui est à côté de moi, Madame Joissin, avec l'ensemble des élus de la ville qui sont ici aujourd'hui, ainsi que des représentants de communes amies, ont décidé en partenariat avec le centre social Jean-Paul Coste et avec la télévision participative aux deux zones, de réaliser cette émission. Alors, exceptionnelle parce que d'habitude, je ne sais pas les mots qu'il faut employer, mais disons que c'est plutôt la télévision qui a tendance à nous formater, à fabriquer un peu notre pensée si l'on y prend garde. Aujourd'hui, c'est nous ensemble qui fabriquons cette télévision. Alors, exceptionnelle aussi parce que, du coup, elle est très participative par la présence et surtout l'action des jeunes qui sont autour de vous, que vous voyez aux commandes, ceux que vous ne voyez pas non plus, qui vous seront, j'espère, présentés tout à l'heure, et qui sont acteurs et pas seulement consommateurs d'une image. Et puis participatif aussi parce que il est bien pensé que c'est ensemble que nous pouvons construire quelque chose, que les intervenants qui sont autour de moi sont certes experts, au moins en partie, ou témoins à leur façon, mais que vous ici aussi, vous avez vos compétences, vos envies, vos avis sur ces sujets, et que pour nous, ils sont importants. Alors, émission exceptionnelle pour un sujet exceptionnel, celui de la jeunesse et de la santé. Alors, de quelle santé il s'agit? On va le découvrir ensemble. Je vous propose d'abord de regarder ce petit reportage qui voudrait sentir un peu l'opinion de nos concitoyens. Non, je pense pas autant que ça, mais en même temps, c'est normal, quoi. Ils sont là pour vivre à fond leur jeunesse et ça, ces questions viennent après, je pense. Oui et non, parce qu'il y a des actions qui sont menées, par exemple, pour la lutte contre le sida, pour des maladies, tout ça. Et si les jeunes s'occuperaient de leur santé, il n'y aurait pas de propagande, d'actions menées. Globalement, je veux dire pas suffisamment. Je les trouve assez désinvoltes. Je crois que la prévention, c'est quelque chose qui devrait être plus présent, notamment dans les écoles. Et je crois qu'aujourd'hui, un jeune qui s'occupe de lui, c'est quelqu'un qui apprend aussi à vivre dans la cité, quoi. Quand on prend soin de soi, on prend soin des autres, hein. Je crois que de plus en plus, oui, ne serait-ce qu'en regardant maintenant la télévision où on fait très souvent des publicités sur la nourriture et autres, je pense qu'on y fait de plus en plus attention. Non, en fait je suis étudiant infirmier, donc je vois ça tous les jours et non, il y a un manque de comment ça s'appelle, de une mini-propagande sur la santé, quoi. Essayer d'expliquer aux jeunes comment ça se déroule et tout ça, parce que beaucoup de gens qui... Ben, on parle de l'obèse, on parle, je sais pas en fait, des sucreries, les publicités, manger 5 fruits et légumes par jour, ben il faut que ça s'applique. Non, je crois que ça leur vole un petit peu au-dessus de leur tête. Je crois qu'ils se disent surtout pour plus tard. Ouais, oui, voilà. Pas dans l'avenir. Dans l'avenir, ils verront peut-être, mais pas actuellement.
Je ne veux pas généraliser, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se préoccupent de leur santé, effectivement, qui ne voudraient pas devenir obèses, par exemple, qui ne mangent pas que des frites et des hamburgers tous les jours. Bien, j'espère, je pense. Je pense qu'avec les activités dans les collèges ou des actions de prévention sur l'alcool, sur la drogue, je pense qu'il y a pas mal d'informations et j'espère que ça les touche et que ça marchera pour eux dans l'avenir. Généralement, les parents qui s'occupent de ça et que les jeunes, ils ont d'autres choses à penser qu'à penser à leur santé. Les jeunes se croient tout pouvoir, croient qu'ils ne vont jamais tomber malades, ne se lavent pas les dents tous les jours, font du scooter. Et je suis infirmière, donc j'en parle en connaissance de cause. Oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est la santé en général, je pense que les jeunes font attention, mais l'addiction, c'est plus dû à l'environnement social et tout ça. Donc, il faut faire attention, en effet. Oui, ben ça, évidemment, c'est un phénomène de notre temps. Il faut essayer d'y résister. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une solution et que ça n'est jamais que... que rendre heureux quelqu'un à un moment donné alors qu'il ne l'est pas du tout. Il suffit de dire non. Il faut que les jeunes ils sachent dire non. Y a des jeunes qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas toujours, tombent dans la drogue. L'addiction, c'est un problème. Quand on commence à fumer une cigarette, on est dans l'addiction. Quand on boit un café, on est dans l'addiction. Maintenant, bon... Il faut savoir ce que être addict veut dire. Les gens se droguent pas par plaisir. Au départ, ils éprouvent quelque chose, mais c'est pour combler un manque, quelque chose. Quoi. Voilà. C'est sur ça qu'il faut travailler, je crois. Voilà, bravo. Bravo à nos reporters, merci. Ce reportage est, comme souvent, intéressant, peut-être un petit peu contradictoire, hein, entre ceux qui jugent que les jeunes font assez attention à leur santé et puis ceux qui, alors peut-être un peu plus nombreux, ont vraiment l'impression que la jeunesse, ce n'est pas le temps de cette attention et qu'on verra plus tard. Alors... nous sommes là pour en débattre un peu maintenant. Bien évidemment, et chacune des personnes interrogées a d'elle-même bien pensé qu'on est là dans une définition assez large de la santé, plutôt celle de l'OMS, par exemple, hein, et non pas seulement le fait de ne pas être malade, mais bien le fait d'être bien. D'être bien dans sa tête, d'être bien dans son cœur, d'un certain bien-être, d'un certain bonheur peut-être, et avec éventuellement les préventions qui peuvent éviter hein, de se sentir plus mal. Alors, entre vous, notre public, et les intervenants qui sont autour de nous, il s'agit de Madame Buffard de l'association Tremplin d'Aix-en-Provence qui est là et puis que nous interrogerons ensemble tout à l'heure. Bien évidemment, Madame Joissin qui est donc maire d'Aix-en-Provence qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Monsieur Moumadi qui est donc de l'Union des centres sociaux du département. Monsieur Violet qui est donc inspecteur de la jeunesse et des sports, et Myriam, représentante du conseil municipal des adolescents, à qui j'ai envie de poser cette première question. Comment, sur cette question de la santé, déjà, vous vous retrouvez un peu dans ce reportage? Et puis, je ne sais pas, soit maintenant, soit tout à l'heure, est-ce que vous, en tant que conseil municipal des adolescents, vous vous êtes intéressé déjà à ce sujet? Oui, au conseil municipal des adolescents, on s'intéresse beaucoup à la santé. L'exemple, c'est un projet que j'ai, qui est en cours sur les interruptions volontaires de grossesse, bon, l'avortement, les infections sexuellement transmissibles et la contraception, puisqu'on se rend compte que les jeunes en prennent de moins en moins compte.
on constate une augmentation de l'avortement, mais aussi une augmentation aussi sur les addictions. Donc il y a plus de jeunes qui se droguent, qui boivent pour se dépasser, pour dépasser ses limites, pour mieux s'intégrer, pour essayer tout simplement. Et je pense qu'il y a aussi des jeunes qui s'en préoccupent. D'ailleurs, nous avons fait des articles au Conseil municipal des adolescents dessus, comme sur le tabac, sur l'obésité, dans l'index qui est le journal annuel du Conseil municipal des adolescents, numéro 12. Puis dans tous les numéros, il y a toujours une page santé pour prévenir les jeunes, pour les sensibiliser, pour leur dire « oui, d'accord, vous êtes jeunes, mais il faut quand même prendre soin de sa santé ». Voilà. Merci Myriam, merci bien. Donc intéressant de savoir, et ça bat un peu en brèche certains éléments du reportage qui disaient que c'est pas votre problème. Ben, ça a l'air de l'être, et puis je trouve que c'est une bonne chose cette sensibilisation. Madame Buffard, est-ce que... Alors, je ne sais pas si vous travaillez peut-être davantage autour des questions d'addiction, mais peut-être que vous avez envie aussi de parler de cette santé des jeunes de façon plus globale et plus générale. Moi, je suis déjà intéressé par le fait que, puisque nous sommes dans une émission participative, vous savez que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont quand même déterminé, au moins en partie, hein, les sujets desquels nous devions débattre ensemble et que celui-ci a été posé par eux. Comment vous vous situez, vous, autant peut-être par rapport à cette question plus générale sur la santé des jeunes que par rapport à votre pratique professionnelle ? C'est un sujet compliqué. Vaste. Hein. C'est un sujet vaste. C'est un sujet aussi où il n'y a pas automatiquement de vérité. Je pense que vous avez dit quelque chose d'important. Je pense que les meilleurs acteurs de prévention, c'est souvent les pères. Hein, c'est les jeunes entre eux. C'est quand un copain boit un peu trop. Et AIRS. Voilà. D'accord. Quand on a un copain qui boit un peu trop et qu'on s'inquiète simplement déjà de savoir s'il va bien. La santé des jeunes, je pense que c'est aussi le regard positif qu'on peut poser sur eux. Et du coup, l'estime d'eux-mêmes. Hein, aller bien, c'est aussi avoir du coup d'autres sources que peut-être utiliser un produit ou n'importe quelle addiction. Donc voilà, moi j'ai plutôt, en tout cas dans mon approche, c'est plus faire douter puis leur rappeler que c'est des gens importants. Et puis aussi, autant questionner les adultes que les jeunes. Le travail de prévention, il doit se faire autant au niveau des adultes, de leur représentation, qu'au niveau des jeunes. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Parce que c'est aussi après pouvoir recevoir la parole d'un jeune en souffrance, qu'on soit un parent, qu'on soit un professionnel, qu'on soit un ami. Voilà, après c'est un sujet vaste et sur lequel il faut rester assez humble, je pense. Merci, non, merci quand même, c'est important. Je note autant cette insistance sur ce qui dépend des jeunes entre eux et comment ils peuvent être, j'allais dire, soutien les uns pour les autres. Hein, je trouve que c'est important. Et puis l'exemple que nous donnait Myriam en fait foi. Et puis que ça dépend aussi de nous adultes. Et on rejoint ce qu'on pouvait dire autour des questions de représentation, hein, que la population française peut se faire de la jeunesse et qu'elle est aussi dépendante, cette jeunesse, de l'intérêt qu'on lui porte, de notre attention et de notre reconnaissance, hein, et que il y a peut-être pas tant que ça de jeunes qui ont l'impression d'être reconnus et qui se droguent finalement, hein, si je vous entends bien. Madame Joissin, je crois que vous aviez envie aussi, vous, de porter témoignage de vos convictions, hein, et peut-être notamment par rapport à certains points particuliers de la santé. Oui. En ce qui me concerne, mon approche du problème, c'est qu'on est plutôt plus ouvert aujourd'hui sur les problèmes de santé qu'on ne l'était hier. Et c'est une bonne chose, parce qu'il y a des maladies nouvelles qui n'existaient pas, dont on ne se préoccupait pas vraiment, qui était par exemple l'obésité. Mais il y a aussi et surtout... Alors, il y a la contraception, il y a tout un tas de phénomènes qui vous intéressent, et c'est normal. Mais moi, ce qui m'interpelle énormément, ce sont les problèmes de drogue et les problèmes de sida. Et Myriam a eu raison lorsqu'elle dit qu'en matière de sida, les jeunes font de moins en moins attention. On a fait attention à un moment parce qu'il y avait une publicité très importante à tous les niveaux. Et dès que cette publicité se relâche, on a l'impression qu'il y a un relâchement dans la précaution. Et nous, au niveau de la ville,
Nous avons pris des mesures importantes pour l'obésité au niveau des snacks, au niveau des self-service, pardon, au niveau de la cuisine centrale, où nous traitons de ces phénomènes-là de façon très, très approfondie et très, très forte, avec une diététicienne qui prépare les repas, avec une cuisine centrale qui est très, très bien organisée justement pour ces choses-là. Mais en matière de sida, je voudrais témoigner parce que cette maladie qui a fait son apparition dans les années 83 en France a été très méconnue au départ. On ne s'est pas rendu compte que c'était une véritable épidémie. Et aujourd'hui, je crains que nous ne soyons pas assez précautionneux par rapport à cette terrible maladie qui gâche la vie dès le moment où elle est contractée, parce que pour le moment, on peut dire que c'est quelque chose de totalement irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaccin, c'est un rétrovirus, donc on risque fort de ne pas trouver de vaccin avant longtemps. Et après, il y a beau avoir la trithérapie, la vie est foutue. Et la drogue se joint très étroitement à ce problème-là. Et je voudrais dire aux jeunes que ce n'est pas une manière de protester. Ce n'est pas une manière de faire sentir qu'on existe en se détruisant. Et moi, c'est là-dessus où j'insiste sur les éducateurs, sur ceux dont c'est le métier. Moi, ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas forcément le langage qu'il faut avoir. Mais je suis très, très interpellée là-dessus. Et je voudrais que dans ce système d'éducation qui est le nôtre, on arrive à faire comprendre aux jeunes qui sont forcément révoltés contre la société, d'abord on le saurait à moins, mais la jeunesse a toujours été révoltée contre la société dans laquelle elle vivait. Ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Mais ces phénomènes-là sont des phénomènes tout à fait nouveaux. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils se disent que ce n'est pas une manière de protester, ce n'est pas une manière de s'identifier, c'est la mort. La drogue et le sida, c'est la mort. Et on me dirait, il y en a qui font de la vitesse, mais c'est pas la même chose. Là, c'est, j'aimerais qu'on se mobilise là-dessus, parce qu'un jeune qui se drogue ou un jeune qui a attrapé le sida, c'est quelqu'un qui a sa vie derrière lui. Et ça, c'est important de développer cet instinct de vie chez les jeunes, parce que quand il y a un instinct de vie très fort, quand la société aide, écoute, respecte, bien, je crois qu'il y a moins ce désir de faire à peu près tout et n'importe quoi. Moi, c'est ce qui m'interpelle terriblement. Merci bien, merci. Merci beaucoup. Et c'est clair que je trouve qu'on ne redira jamais assez que le sida, j'allais dire, on le soigne, mais on ne le guérit pas encore. Hein, et que le fait qu'il soit soigné ne doit pas démobiliser les jeunes, et que cette responsabilité de chacun, elle demeure importante. Alors, il faut pas dire que soigner c'est négligeable. Je trouve que c'est important, mais on n'en guérit pas. Hein. Bon, merci beaucoup. Alors, sur l'autre versant de votre intervention, je regrettais déjà de ne pas être citoyen d'Aix-en-Provence, parce que je pense que je serais dans un autre état aujourd'hui. Mais bon, que voulez-vous, personne n'est parfait. Donc, je me soigne. Bien, en ce qui concerne, alors je me permets de plaisanter, mais c'est vrai que c'est un sujet important aussi, puis je crois que tout le monde l'a bien compris, mais il faut bien que je me défende un tout petit peu. Bon, monsieur Moumadi, est-ce que... et nous revenons sérieux sur ce sujet de la santé. Vous avez-vous une approche particulière, quelque chose que vous avez envie de nous transmettre? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les enjeux liés à la santé aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, sont des questions majeures pour la jeunesse, mais pas seulement, aussi pour l'ensemble de la population. Les jeunes sont aujourd'hui tiraillés entre une société de consommation qui les pousse à avoir des conduits, des comportements parfois à risque, et aussi de l'autre côté un comportement qui les amène à avoir des conduites morales. Je pense qu'on doit axer nos efforts, nous en tant que professionnels, sur les questions de prévention liée à la santé. Infections sexuellement transmissibles, les addictions et autres aussi thèmes qui sont liés à la santé. En ce qui concerne les centres sociaux, moi j'ai envie de dire
aux jeunes qui sont présents et aux jeunes qui nous écoutent et qui nous écouteront, qui peuvent se saisir des espaces qui sont mis à leur disposition dans les centres sociaux. Parce que les centres sociaux, c'est un peu comme ce plateau jeunesse, dans une logique participative, où l'on considère que l'expertise des habitants est aussi importante que l'expertise des professionnels. Donc n'hésitez pas à vous rassembler dans ces lieux pour mener avec des professionnels qui sont là pour vous accompagner des actions envers vos pairs, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Merci. Je trouve qu'on arrive là sur cette idée de l'accompagnement. Enfin, moi, j'appelle ça l'accompagnement. Et je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a peut-être un rôle particulier à l'ensemble des adultes et pas seulement aux professionnels dans cet accompagnement. Manger son pain avec, accompagner. Hein, c'est aussi une façon d'être proche des jeunes et de ne pas peut-être défausser nos responsabilités uniquement sur les professionnels. Monsieur Violet, je vous laisse la parole peut-être aussi sur ce sujet, de votre place à vous et de votre réflexion. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous faire participer ? Ben, j'aurais juste envie de vous dire, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la santé des jeunes. Hein. Par contre, je m'étais amusé à faire une synthèse d'un rapport qui avait été préparé à la fin des années 90, alors ça aurait été bien de comparer avec les chiffres actuels. Malheureusement, je ne les ai pas. On n'a pas de je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle. Et donc, qui s'interrogeait, donc le rapport du Haut Comité de la Santé publique, donc qui s'interrogeait donc sur la santé des jeunes, et qui avait mis donc en avant, dans les premières causes de décès des 15-24 ans, il y avait donc les accidents de la route en premier, en deuxième les suicides. C'est toujours vrai. Alors c'est malheureusement toujours vrai. En sachant que dans les accidents de la route, il y a des jeunes qui se suicident, c'est l'une des premières causes de mort chez les jeunes. Voilà. Et alors, peut-être signaler, on avait un psychologue clinicien dans la salle, je pense que ce serait bien qu'il intervienne là. La période de l'adolescence, c'est quand même une période particulière. Il y a tout un remaniement de la psychologie qui fait qu'on peut changer complètement à l'adolescence. En fonction de son milieu social, de ses problèmes familiaux, de son environnement. Une personne telle qu'on était à 10-12 ans, bien souvent on a des jeunes jusqu'à 10-12 ans, c'est impeccable, ils travaillent très bien à l'école, et puis à 14 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Et puis d'autres inversement qui sont quelquefois un peu en difficulté, et puis qui, à l'adolescence, mûrissent mieux. Et voilà. Donc je pense qu'il faut... La chose qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que c'est vraiment une période, complexe au niveau psychologique, l'adolescence, avec des remaniements psychologiques qui font que l'adolescent va aller vers tel ou tel type d'adulte. Et donc le premier mot qu'on pourrait dire aux parents, ça serait déjà écouter les jeunes. Parce que bien souvent, malheureusement, ces accidents de la route ou les suicides, les conduites addictives, l'alcool. Moi, j'ai été étonné, j'ai vu un nouvel an avec des jeunes... qui était un peu plus loin. J'ai pas encore mes filles sont encore petites. Hein. On est allé voir ce qui se passait. On a dû appeler les pompiers. Voilà. Hein. Et on a dû appeler les pompiers. Il y en a un qui était en coma éthylique dans le jardin. Enfin, j'ai été stupéfait. Alors bon, on a été jeunes. Hein, tout le monde a bu ou quoi. Mais à ce point-là, non. C'est plus je bois vite, c'est le TGV, tequila gin vodka. Hein. J'essaye de me mettre un peu à la page. Bon, ça c'est le comportement aussi des jeunes, hein, plus, alors celle-là peut-être plus chez les garçons, mais bon, là, les questions de consommation d'alcool, qui sont aussi importantes, ne ressemblent peut-être pas vraiment à ce que c'était encore avant, hein, parce que là, il faut être sous le plus vite possible et tout. Donc il y a une évolution dans les comportements des jeunes qui nous dépasse, nous aussi, parents. Et donc, ce rapport, ce qu'il préconisait, hein, c'était de dire que l'adolescence, donc écouter les jeunes, et que bien souvent, ces comportements, aller vers les drogues, conduite suicidaire, alors attention aux jeunes filles encore, hein, les filles étaient beaucoup plus sensibles, enfin touchées par ce type de conduite que les garçons, viennent souvent d'une image de soi dévalorisée. L'image de soi dévalorisée, c'est aussi la société qui la renvoie les jeunes, ça peut être les parents, les éducateurs, l'entourage. Donc, bien faire attention à voir qu'un jeune, quel que soit ce jeune, à mon avis, on peut trouver quelque chose en lui. Hein. J'ai été 15 ans instituteur, et je pense que quel que soit le jeune, il a des qualités. Alors, à mon avis, à l'adolescence, il faut faire émerger ses qualités
que le jeune prenne appui sur lui. Il va être bon dans un domaine ou un autre. Mais je pense que ça, c'est le rôle des éducateurs, des parents, de montrer aux jeunes que, quelles que soient leurs possibilités, leurs potentialités, il y a des domaines dans lesquels s'efforcer, ils sont bons. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut se construire. Je pense qu'une bonne image de soi, c'est un bon point de départ dans la vie. Voilà, et on en revient donc encore à cette question de la reconnaissance, de la valorisation. Et je sentais Myriam qui, à côté de vous, bouillait de réagir. Je ne sais pas si c'est pour vous contredire ou pour être d'accord avec vous. Myriam. Non, je voulais juste donner des chiffres plus concrets, comme quoi l'ivresse avait augmenté chez les jeunes. Et qu'il y avait un nouveau jeu qui s'appelait le binge drinking, quelque chose comme ça, qui vient d'Angleterre, qui consiste à boire le plus et le plus vite, le plus rapidement possible. Et qu'on se rend compte qu'il y a 30,4% des garçons qui sont ivres et 19% de filles. Donc voilà, c'est tout. Merci. Merci Myriam de ces précisions. Je pense qu'il n'y a pas que Myriam qui bouillait d'intervenir. Je sens dans la salle une certaine agitation. Donc je suppose que vous aussi, vous avez envie de prendre la parole et d'apporter votre compétence. Maxime, à toi de vrai pour donner cette parole au public. Merci Jean-Marie de me passer la parole. Donc juste avant de vous passer la parole, je voudrais juste faire un petit point sur tout ce que vous avez dit. C'est vrai que dans l'addiction, les deux plus grands problèmes, c'est le sida et la drogue. Et surtout la drogue, on peut beaucoup en parler, on en parle souvent, mais les jeunes n'écoutent pas tellement ce que l'on dit. Maxime, oui. Je suis content que tu fasses cette synthèse, mais je trouve aussi, moi j'ai entendu aussi, il n'y a peut-être pas que à leur dire, ou leur dire des choses à faire, il y a peut-être aussi à les reconnaître dans leurs valeurs, et que bon, ça vient peut-être compléter. Oui. On y va. On va avec la salle. Allez, Maxime, vas-y. Là-bas en haut à droite, sinon aussi, mais vas-y, je te laisse avancer. Il y a une dame qui demande aussi là-haut. On commence par en bas. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, c'était juste pour émettre une petite précision. D'après notre dernière séance avec l'atelier France et Ville, on a constaté que le taux de sida était beaucoup plus élevé chez les plus de 50 ans que chez les jeunes. Bon, alors on en prend pour l'obésité, pour le reste. Madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Ce n'est pas en tant que responsable d'association que je prends la parole, c'est en tant que grand-mère. Et je voudrais tout d'abord vraiment féliciter très chaleureusement Myriam qui a su prendre la parole et exprimer avec perfection vraiment un état des choses vis-à-vis de la santé des jeunes. Et si je prends la parole, c'est que, comme je viens de vous le dire, je suis grand-mère d'adolescents, de jeunes adolescents et de jeunes adultes. Et que dans notre famille, il y a eu des problèmes considérables, graves et très importants. Et ce qui me paraît être un point crucial, c'est que les parents sont très démunis vis-à-vis de la manière dont les adolescents se comportent. Alors il y a maintenant énormément de familles reconstituées, ça pose des problèmes considérables. Il y a aussi des mamans seules, des pères qui sont seuls, il ne faut pas les ignorer non plus. Et tout ça fait tout un amalgame qui pousse des jeunes à essayer de devenir quelqu'un en dehors de la famille. Et comme le disait Madame le maire tout à l'heure, essayer d'être différent en se droguant, en s'habillant. J'ai une petite fille qui est venue à la maison il n'y a pas longtemps, 15 ans. Elle est habillée de rouge et noir, certains sauront ce que ça veut dire. Je lui ai offert un coca, elle m'a dit non, je préférerais une bière. Et elle est sortie de la maison en disant, je ne veux pas vous en fumer pour prendre ma cigarette. Et avant de partir, sa maman lui a dit, surtout n'oublie pas de prendre tes pilules. Elle a 15 ans au mois de septembre. J'avoue que j'en suis restée médusée, pardon de prendre la parole un petit peu longtemps. Mais en tant que femme née bien avant la guerre, j'ai été extrêmement choquée. Mais, comme tout à l'heure, vous l'avez souligné, monsieur, j'ai fait tout mon possible pour dire à cette jeune fille, écoute, tu as des choses qui sont formidables. Tu es jolie, tu as une mémoire magnifique, tu fais de la musique. Et j'ai essayé de mettre tout ça en valeur et j'ai été énormément récompensée il y a 8 jours quand elle est rentrée chez elle en me disant, écoute, je vais mieux, ça va. Donc,
ce que vous disiez tout à l'heure, écouter les jeunes et peut-être essayer d'aider les parents à prendre conscience que leur exemple est primordial, que leur exemple de respect de la loi, de respect des uns des autres et du bien vivre ensemble est primordial à donner aux jeunes. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, madame. Merci. Madame, juste Maxime. Oui. Juste une petite intervention de Madame Buffard, parce qu'elle doit être sur le thème. Ce qui est important, c'est que vous êtes présente. Ce qui est important, c'est que vous posez des mots. Ce qui est important, c'est que vous acceptez de voir. C'est ça qui aide, même si c'est des fois dans des temps différents que l'adolescent va réagir. L'important, c'est de rester à côté sur la longueur. Voilà, madame. Merci. Maxime, je vois là-bas au fond à droite. Il y a aussi ici. Allez, je vous en prie. Nous avons bonjour. Encore... Bonjour. Moi, j'ai deux petits points à soulever. Donc, d'abord, quant à la prévention, c'est vrai que ça marche. Je pense quand on est au collège, au lycée, entre 12 et 18 ans, la prévention sur l'alcoolémie, le sida, les drogues, l'obésité, ça peut marcher. Mais je veux dire, après, je vois à la fac, mais trop de prévention tue la prévention, en fait. Tous les spots publicitaires qu'on voit, manger 5 fruits et légumes par jour, fumer tue, ça sert à rien. Je pense que c'est plutôt des témoignages qu'il faudrait qu'il y ait, parce que je vois la réaction de tout le monde. Tout le monde, c'est quand est-ce qu'ils enlèveront ça, quoi. Ça sert vraiment. Ça comme sert si plus. On devenait blasé, presque voilà, blindé ça, un oui. peu de trop. Ouais, ouais. Bon, fumer, tu. Après, à la fin, en fait, ça fait rire de voir ce qui est marqué sur les paquets de clopes, machin. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est bon, j'ai 20 ans, je suis jeune, et c'est vrai que quand je vais dans des soirées, moi, je bois pas beaucoup. Et bon, ça m'arrive de ne pas boire du tout, rester au jus d'orange toute la soirée, ça ne me dérange pas. Et tout le monde me dit, mais comment tu fais pour rire pendant une soirée quand tu n'as pas bu? Comment tu fais pour danser? Et je suis très étonnée d'être souvent la seule qui ne boit pas, quoi. Donc il faudrait trouver une solution, oui, à ça. Mais et maintenant, et vous, laquelle vous témoignez qu'il n'y a pas besoin de boire pour danser et s'amuser. Ah, moi, quoi, par contre, moi, je n'ai pas du tout besoin non, de ça. Merci, merci. Allez, encore une ou deux interventions, Maxime, s'il te plaît. Oui. Et puis nous devrons conclure. D'abord la dame là-bas qui, depuis tout à l'heure, ah lève oui, le hein. doigt. Oui, oui, elle a de la constance. Allez, elle va être récompensée. Bon. Je vous en prie. Non, mais il n'y a pas de mal. Je suis Mireille Chardon, directrice de cet espace enfance-jeunesse, donc je me présente quand même pour que tout le monde ait un aperçu. Ça fait plus de 20 ans, beaucoup de gens l'ignorent, que je travaille en milieu psychiatrique. Et donc je donne des cours de peinture aux personnes un peu larguées, je dirais, par la société, qu'elles soient adultes. Il y a 20 ans en arrière, c'était souvent des handicaps de naissance. Il y a des adultes aujourd'hui qui ont subi ces malformations et qui sont effectivement en psychiatrie. Ce qu'on dit moins aujourd'hui et ce qu'on ne montre pas, ce sont les jeunes qui, après une consommation de cannabis, consomment des alcools à plus de 40 degrés, donc du whisky par exemple, qui rentrent immédiatement dans un coma dont ils ne reviennent jamais et qui deviennent des légumes à vie. Donc je pense qu'effectivement, la jeune fille qui est en milieu universitaire le dit bien, c'est caché. Notre société a la sale manie de refouler les... Sur le secteur ici, c'est un petit peu pareil, on a des collèges, on a des adolescents et on en a qui viennent dealer ouvertement aux abords de cet établissement, des établissements scolaires. Alors on change d'horaire, un coup c'est à 5 à 17 heures. Un coup, merci. Un coup c'est à 7h30 le matin et c'est vrai que beaucoup d'adultes, y compris dans l'éducation nationale, se cachent la face, ne le voient pas, pour ne pas entreprendre les démarches qui sont nécessaires à aider et à prévenir ces problèmes. Alors, je Merci. Ne le fais pas. Ça fait 3 ans que je dirige cet espace pour la ville d'Aix-en-Provence. Et je peux vous dire que j'interviens systématiquement quand je vois ce genre de problème. Alors, on peut dire qu'on les dépend. Mais on peut dire aussi que de toute façon, si tout le monde ferme les yeux sur ces sujets-là, y compris sur la consommation aujourd'hui qui est faite de produits hygiéniques, hein, donc de Javel, où effectivement les jeunes en meurent immédiatement, c'est de la folie. Donc je Merci. Pense qu'effectivement, il y a peut-être des témoignages vivants à apporter. Hein, il y a des Merci. Pays qui ont entrepris de montrer des accidents graves pour calmer les gens au volant. Bon,
Alors, je ne prendrai pas parti, hein, parce que c'est vrai que ça serait presque un autre débat, hein, de ces outils et du questionnement sur ces outils. Je retiens de toute façon de votre intervention cette nécessité de ne pas banaliser et de ne pas fermer les yeux, peut-être des fois seulement parce qu'on est gêné de voir, hein, ou on serait gêné de voir. Merci. Oui, voilà, on a peur, on est nous-mêmes inquiets et qu'on ne sait pas forcément bien l'attitude à tenir. Merci. Est-ce que, Maxime, tu as encore... Il y en a un dernier. Comment ? Il y en a un, juste à côté de moi. Il y en a un, nous l'écoutons. Oui, ben, rebonjour. Bonjour. Je voudrais juste dire, moi, que la question, c'est pas est-ce que les jeunes se préoccupent de la santé, mais est-ce que les adultes se préoccupent de la santé des jeunes ? Bon, et alors ? Parce que ce sont plutôt les parents qui, des fois, laissent, ne surveillent pas leurs enfants quand ils prennent de la drogue, ou les adultes qui donnent, par exemple, des briquets pour pouvoir allumer les cigarettes des jeunes et tout ça. D'accord. Donc toi, tu dis, il faut s'occuper de nous, quoi, en fait. Voilà, c'est hein? ça. D'accord. Merci. Je crois qu'on entend ce que tu nous dis. S'il n'y a pas d'autres interventions, vous vouliez, je vous en prie, Myriam, tu peux donner ton... Oui, pour répondre au jeune homme, c'est tout à fait judicieux ce que tu viens de dire. Hein. Je me permets de te tutoyer. C'est pas un manque de respect. Justement, le rapport préconisait un certain nombre de pistes de travail. Première piste, la santé des jeunes, c'est pas qu'un aspect biologique, c'est un aspect biologique, psychologique, sociologique. Donc prendre l'humain dans ses trois principales dimensions. Ensuite, on préconisait effectivement des points d'écoute des jeunes, des points d'information des jeunes, mais informer, dire ce qu'il faut faire, ça ne suffit pas non plus. Et il était proposé de former justement, de former les parents qui ne sont pas préparés à répondre aux difficultés des jeunes, à les orienter, former les parents et former aussi davantage les professionnels qui travaillent avec les enfants et avec les jeunes. Voilà. Donc tu vois, tu avais proposé une des principales pistes de travail. Merci. Ça va être... Je suis désolé, mais on poursuivra peut-être tout à l'heure. Nous allons sur ce sujet devoir clore notre débat. Je ne conclue pas, hein, certes, puisque je crois que vous avez bien en tête tout ce qui a pu être partagé. Il y a quand même des choses fortes, hein, que nous avons dites, hein, et qui reviennent sur cette question de l'intérêt, de la reconnaissance de la valeur, de comment nous aussi nous faisons exister nos jeunes, ou nous les nions à la limite à d'autres moments par peut-être notre désintérêt ou notre peur. Donc merci de ce débat et de tous vos apports. Et puis bien évidemment, je pense que c'est un appel à ce que ça se poursuive. Et puis peut-être que nous n'ayons pas peur de reconnaître que parfois c'est difficile. Et que si c'est difficile, c'est pas forcément facile pour pareil pour tout le monde, et que alors on a le droit de demander de l'aide. Merci, à bientôt.